Alors, bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais manger poulet curry avec des oignons et du riz. Aujourd'hui, il n'y a pas de shout-out. Je suis toute seule. Courrier du cœur, non. Vous allez juste me voir manger. Bon appétit. Je vous aime tous très fort. Une vraie professionnelle, dis donc. Professionnelle pour touiller aussi. Touillet. J'aime trop touiller. Donc là, j'ai pas pris le poulet. Alors, qu'en penses-tu de cette première bouchée? C'est déjà bon, hein? Ouais. Là, j'ai pas pris le poulet, donc c'est pas. Mais j'adore la sauce. Voilà, du poulet cette fois. C'est chaud, comment tu manges comme ça direct là? Ben non, je mange sur le côté, du coup c'est pas chaud. Bien. Alors, qu'est-ce que tu as de beau et d'intéressant à raconter? Bah, ce qu'on va faire. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, ben c'est que je sais pas ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est que je vais me reposer, oui. Tu vas passer ton temps à dormir. Ah ouais. Je suis fatiguée, mais comme pas possible. Pourquoi? J'ai accumulé une fatigue toute cette semaine. Et en plus de ça, ton frère qui me réveille le matin à 8h. Maman va à l'école. Oh non. Et il insiste pour que je sorte du lit. Oh non. J'étais en mode, mais sérieux, ce gamin là, tous les week-ends, il va faire la même chose. Mais oui, il n'y a pas école. En plus, je t'ai dit, il n'y a pas école. C'est vrai. Lui, il est à fond sur l'école. Et en même temps, quand il se réveille depuis qu'il est tout petit, quand il se réveille, maman est obligée de se réveiller. Oh. Quand il dort, maman est obligée de dormir. Elle peut dormir. Mais hier, en plus, j'ai bien dit, il n'y a pas l'école demain. Donc, tu restes tranquille le matin, tu réveilles pas maman. Tu restes tranquille, tu dors bien. Oui, maman. Non, maman. Tous ces jeux sont là, tous ces machins sont là. Tu t'es réveillé, reste tranquille mon gars. Tu vois plein de jeux par terre là. Il vient me sauter sur le dos. Ah ben oui, ça c'est maman ça, à l'école. Maman à l'école. L'autre fois, il avait mal à la côte tellement il lui avait trop sauté sur le dos et dormi sur le dos. Ouais, j'avais mal à la côte pendant 3-4 jours. Parce que j'étais resté coincé, j'étais resté allongé d'un côté sans bouger parce que je sentais qu'il était sur mon dos quoi, sur mes côtes. Vu que j'étais allongé sur le côté. Et du coup, j'ai pas bougé pour éviter qu'il tombe du lit. Mais mon gars, j'ai eu mal aux côtes pendant 3-4 jours. T'as mal au genou, menteur, va. Si tout à l'heure, il a trébuché, il s'est fait mal. Ouais, mais c'est pas une douleur pour dire j'ai mal au genou. Il dit ça juste parce que j'ai dit que j'ai mal. Hein, hein, voilà. T'as glissé du lit? En fait, ma maman elle a remis les piles dans ma caméra. Ouais, c'est vrai, elle me fatiguait pour que je remette des piles dans sa Kidizoom. Dans son Kidizoom. C'est une Kidizoom, c'est pas un Kidizoom. C'est un ou une Kidizoom? Dis en commentaire, mettez en commentaire, moi je sais pas. Je sais pas si on dit un Kidizoom ou une Kidizoom. C'est un Kidizoom. Moi je dis une Kidizoom. Ah, comme une caméra? Bah oui. Ah. Je sais pas, dites-moi en commentaire, je sais pas, franchement je sais pas. Mettez en commentaire si c'est soit un qui dit zoom ou une qui dit zoom. Mais à chaque fois, si c'est une caméra ou toi tu dis que c'est quoi toi? C'est pas un caméra mais on dit un qui dit zoom. Pour dire un appareil photo? Je sais pas, franchement, je sais pas, mettez en commentaire. On verra. Quel team, vous êtes team Sephora, un qui dit zoom ou... Team Ryan, une qui dit zoom. Parce que franchement, une caméra quoi. Ah bah vas-y, pour tout. Vas-y, pour tout, on fait des teams. Tu veux faire team? Vas-y. Alors, hashtag team, c'est princesse Sephora. Quelle princesse? Princesse de mes fesses, ouais. Oh. Et hashtag team, princesse Sephora et hashtag team, pour toi, c'est quoi? Ryan la big boss. Voilà. Mettez nos teams dans les commentaires. Ouais. Elle est devenue professionnelle. Attention, attention. Et il faudrait qu'on reprenne les ASMR. Mettez en commentaire
Parce que j'ai vu plein de commentaires passer où ils nous demandent de remettre les ASMR parce que bah avant on était tout le temps ASMR. Hein. C'est une vidéo mukbang, deux vidéos ASMR. Une vidéo mukbang, deux vidéos ASMR. Une vidéo ASMR moi, une vidéo ASMR toi, après un mukbang ou deux, c'est ça? Ouais, c'était ça. Avant c'était tout le temps comme ça. Et les gens ils nous ont demandé, les abonnés nous ont demandé de refaire comme ça. Donc il y aura une vidéo ASMR moi, une vidéo ASMR toi, une vidéo mukbang nous deux et une vidéo courrier du cœur. Et le dimanche, le vlog. Mettez en commentaire. En vrai, de vrai, de vrai. J'ai envie de recommencer les ASMR. Moi aussi. Mais il faut qu'on repasse comme avant. Mais moi j'aimerais trop faire une chaîne de moi où tu fais ASMR genre bruit relaxant pour endormir et tout. Bah mais tu peux pas faire, tu faire ASMR nourriture. Hein. Si on fait vidéo ASMR toi et vidéo ASMR moi, ça peut être objet de bruit relaxant aussi. Hein. Ah ouais, t'es obligé de faire nourriture, c'est pas parce que notre chaîne c'est genre mukbang, ASMR et tout blabla que ça veut dire que c'est que la nourriture. Ouais, en plus à l'école ça me saoule parce qu'à chaque fois ils disent ah mais tu fais que des vidéos manger. Bah s'ils sont pas contents ils regardent des chaînes de quelqu'un d'autre. Voilà, mais c'est ce que je leur dis, sauf que eux ils veulent trop regarder à chaque fois. Mais s'ils veulent regarder ta chaîne, c'est qu'ils assument que tu manges aussi sur ta chaîne. S'ils sont pas contents, il y a d'autres chaînes, il y a combien de millions de milliards de chaînes? Tu leur dis, si vous n'êtes pas content et que mes vidéos ne vous plaisent pas, vous pouvez regarder les autres vidéos, vous n'êtes pas obligé de me regarder. Mais ça, je leur dis, sauf que tous les jours après ils me disent ça. C'est pas grave, laisse-les causer. Ça leur respire à leur salive. En plus, j'ai trouvé plein d'objets pour faire de l'ASMR. Ah ouais? À chaque fois, je recherche. Vas-y, on va voir les commentaires passer. En tout cas, j'ai vu plein de commentaires tous les jours. Je vois des commentaires passer, même dans mes DM sur Insta. Les gens qui nous demandent de recommencer l'ASMR. En plus, on a les deux micros, on a tout ce qu'il faut, on a tout le matériel. Je sais même pas pourquoi. Le petit micro en carré, là, espèce rectangle, ouais. Et l'autre en forme arrondie. Ouais, bah c'est ça, on a les deux. On a les deux micros et les deux fonctionnent. Dites-nous en commentaire. De toute façon, même si vous voulez pas, on va recommencer l'ASMR. Voilà, Il y aura un nouveau type d'ASMR. Moi, je ferai les ASMR nourriture et toi, tu feras les ASMR. Objet, c'est ça? Vas-y. Je veux trop faire ça depuis hyper longtemps. Vas-y. Top là. Ok. Ouais, je t'attrapais fort en plus avec ta tête là. T'as fini? Ah. Allez, viens. Ah, il mange la même chose. Ouais. Il mange tous les deux la même chose. Non, moi je vais faire vidéo avant. Vas-y, normalement tu devais faire vidéo quoi? Normalement je vais faire la vidéo avec toi, mais comme je suis fatiguée, ouais. Mon visage est gonflé, d'ailleurs on entend ma voix qu'elle est différente de d'habitude, ouais. Je suis fatiguée explosée, donc je vais juste manger et je vais me remettre sous la couette. D'habitude t'as une autre voix. Bah mais je suis fatiguée je te dis. Mais c'est un peu d'arône à chaque fois ça, tout le temps. Pose tes fesses mon gars. Tu cours pour aller où t'es en train de manger? Bon, et aussi à cause de moi quand je la réveille pour lui demander est-ce que je peux mettre YouTube sur la télé? Est-ce que je peux prendre la Switch? Yeah. Regarde-moi ce jaloux, il voulait faire top là avec moi lui aussi. Hein? Bébé Arrête? T'es bébé Arrête ou t'es le petit prince Arrête? Bébé Arrête? Comment ça? Comment ça bébé Arrête? Bah oui, tu te rappelles pas quand il est né, il disait tout le temps bébé Arrête. Bébé Arrête, ouais. Bébé Arrête? Mais là c'est plus bébé Aaron, hein. Mais ça reste quand même mon bébé. Oui et moi aussi. Comme toi, tu resteras toujours mon bébé. Bébé Sephora. J'ai déjà bébé princesse. Ce gars là, il me fait tourner en boule, viens d'accord. Comme le lapin. Hein? Comme le lapin il nous fait tourner en brique. Je te jure. À chaque fois on essaie de l'attraper, elle court vite. Ça, maman, des fois, elle dit on aurait dû prendre un bélier, c'est ça? Ouais, un lapin bélier. Mais pourquoi? Un lapin bélier, c'est des patacous. Comme ceux du TikTok là? Un lapin bélier, c'est des gros patacous, des grosses peluches. Mais j'aime trop ça, c'est pour ça que j'essaye trop de faire grossir ma lapine. Mais quand on était au magasin à l'animalerie, on t'a bien dit choisis un bélier ou un nain? Mais moi je savais pas que c'était les béliers les patapoufs. Mais t'as bien vu qu'on les voyait bien qu'ils étaient des patapoufs. Non, moi ils étaient tout lents, genre pour marcher ils sont tout lents. Alors que les lapins noirs ils sont. J'avais pas vu la différence. En plus t'es parti choisir la folle du groupe.
sur tous les lapins là, t'as voulu celle qui était complètement dingue dans sa tête. T'as vu comment elle faisait faire le truc déjà à l'animalerie? Elle courait, courait, courait. Et le pire, c'est que le jour où on est parti l'attraper, t'as vu ce qu'elle a fait, la dame? Et t'as juré que tu la voulais encore, wesh. Bah, mais elle est trop mimi, elle est trop mimi, j'aime trop quand même. Tu vas assumer maintenant, 10 ans tu vas rester avec elle. Ben c'est rien parce que moi je l'aime beaucoup quand même. Ben c'est bien alors. Parce que c'est ma lapine. Bon, je prends encore une dernière bouchée, après je dis bye parce que là je commence à avoir plus faim. Je vais boucher comme ça. En plus, c'est encore chaud sur le côté, je vois la fumée qui sort encore. Nice. En plus, c'est boitif, ça va bien tenir ton ventre. So. Hey, attends. D'accord. C'est moi qui ai dit. Vas-y. So, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là. Pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye. Oh, elle est trop forte.